Salut à tous les gamers, c'est Wartek et bienvenue aujourd'hui pour une vidéo spéciale 200 000 abonnés. Alors aujourd'hui, on va faire vraiment quelque chose de très nouveau. C'est une mission spéciale du nouveau Hitman qui s'appelle le Sniper Challenge. C'est une exclusivité que j'ai eue grâce à mon ami Alexandre, et il se reconnaîtra. Et je vais donc vous présenter cette mission que j'ai déjà testée parce que j'ai essayé donc de faire la vidéo en one shot, c'est-à-dire en découvrant avec vous. Et c'est vraiment, vraiment pas facile. C'est-à-dire que Hitman, comme vous le savez peut-être, vous connaissez peut-être la série, c'est un tueur à gages. Et là, donc, j'ai une mission à faire où je dois tuer une personne en particulier. Donc, je vais vous montrer cette mission, en quoi ça consiste, et je vais surtout vous laisser découvrir la cinématique. Et une mission sniper, ça se rapproche quand même beaucoup de ce que j'aime. Bienvenue à Chicago, 47. Votre principale cible, Richard Strong Jr., est le PDG de Stallion Armaments, un célèbre fabricant d'armes. Richard Strong est particulièrement discret. Il se montre peu en public. Vous aurez une chance de l'atteindre lors de sa brève apparition au séminaire annuel de l'entreprise. Mais n'oubliez pas que les témoins seront nombreux là-bas. Notre client veut que Richard Strong soit éliminé avec tous ses gardes du corps. Apparemment, il veut faire passer un message. Richard Strong est très ponctuel. Il n'ira rejoindre ses employés que pour 15 minutes. À 18 heures précises, il quittera les lieux. Alors surveillez bien l'heure. Je dois être très précis. Vous devriez néanmoins avoir de nombreuses opportunités d'approche silencieuse. Je sais que vous aimez ça. Bonne chance, 47. Merci, madame. C'est quand même classe, hein. C'est quand même classe comme c'est fait. Là, je kiffe, j'ai déjà vu la cinématique, c'est trop kiffant, regardez ça. Oh là là. Le snipe de fou. Alors, donc là, je vous explique. Je suis donc sur un toit, il va falloir que j'élimine tous les gardes et le mec qui arrive, donc en hélico, là. D'accord. La cible principale arrive. Donc la cible principale arrive, il faut que j'appuie sur le joystick pour zoomer. Et une fois quand j'appuie sur le truc pour on va dire lancer les grenades sur Call of, ça met donc un détecteur qui donc repère toutes les cibles. Donc là vous verrez que c'est bien voilà sûr lui, hein, la cible principale. Et il faut éliminer tous ces gardes. Donc je vais commencer par les gardes en périphérie, c'est-à-dire ceux qui sont un peu, on va dire, à l'écart des autres. Mais il faut jouer très stratégiquement pour pas que, justement, les autres gardes repèrent les corps. Donc typiquement, lui, c'est bon, ils vont pas le voir. Maintenant, voilà, le problème, c'est que là, il y en a deux qui se croisent. Donc, si ils viennent l'un derrière l'autre, je leur mets une collate. Si il reste trop éloigné, ça risque de me poser un petit problème. Donc là, je suis en train de voir quel garde je vais pouvoir éliminer. Donc on va s'occuper de lui. Ok, donc lui, il va rentrer dans le bâtiment, ça c'est normal. Maintenant, il y a lui, il est beaucoup trop exposé parce qu'il doit y avoir des gardes à côté, voilà. Lui, à mon avis, exposé. C'est pas vrai, qui c'est qui m'a vu ? Ah, je suis foutu. Ah, je suis vraiment foutu, ils m'ont tous repéré, je crois. Les gardes ont découvert un corps. Pensez à cacher vos victimes. Je vais essayer, du coup, vu que je suis repéré, de les éliminer assez vite. Parce que du coup, là, je suis un petit peu... Éliminez-le avant qu'il ne parte. Et il s'en va, ce con, et c'est pas vrai. Ah, ils m'ont découvert. Là, il y a un garde là. J'arrive quand même. Allez, plein dans la lunette. Lui, il s'enfuit. Enfin, c'est pas lui, mais... J'arrive à... Non. Et mince. Et je vais me faire gauler, hein.
Il va réussir à s'enfuir. Les cibles s'en vont. Éliminez-les et quittez votre position. Non. S'il remonte pas, je suis foutu. Je sais pas où est l'autre garde que j'ai loupé. Là-haut. Non, je l'ai loupé. Toujours pas. Aïe aïe aïe, les balles que je loupe. Je vais me faire repérer avec mes conneries. Enfin, me faire repérer, je suis déjà repéré depuis longtemps, mais... Il faudrait quand même que... Ah non. Attention. Oui. Bien joué, 47. Je les ai tous eus. Position et l'agence s'occupera du nettoyage. Donc je n'ai alerté strictement personne dans la foule. J'ai mal géré mon coup du fait que... Que j'ai mal tué les ennemis au tout début. C'est-à-dire que ouais, j'ai pas tué le bon, j'aurais pas dû tuer celui proche de l'hélicoptère tout de suite, mais... Voilà, la démo est assez courte, hein. On va dire, vraiment... Elle est vraiment rapide, mais c'était vraiment pas mal, on va dire, mouvementé, etc. C'est vraiment très bien réalisé. Je vais retourner quand même au menu principal pour voir peut-être les autres options qu'ils mettent à disposition. J'ai vu, il y avait un truc amélioration, on va regarder ce que c'est. Aussi dans Hitman Absolution. Donc ça c'est l'arme que j'ai, Caso TRG de l'agence. Ça c'est le silencieux, donc que j'ai posé donc, sur le sniper. Respiration contrôlée, que j'ai réussi apparemment à gérer. Et extension de chargeur accroît la capacité du chargeur d'une balle, débloquée à 300 000. Ah bah je suis à 288 000, donc ça va pas tarder. Défi, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est ce que j'ai réalisé, abréger les souffrances du ninja. Je vois pas trop exactement ce que c'est, s'il y a toutes les options de jeu, etc. Le classement, je suppose qu'il y a que justement Mister Alpha dans le classement avec moi. Voilà, il a fait 304 000, il a vraiment bien géré la mission. Et voilà, en gros, si je relance, c'est exactement la même mission, donc je pense pas que je vais la relancer. Je vais essayer de la refaire moi-même, parce que je l'aime bien cette mission, et si j'arrive vraiment à sortir tous les ennemis sans me faire repérer une seule fois, peut-être que je l'uploaderai peut-être sur ma chaîne secondaire, histoire que vous voyez comment gérer ça, et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo spéciale en face commentary sur ce Hitman Sniper Challenge. Merci à tous encore pour ces 200 000 abonnés, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale 200 000. C'était Wartek, allez ciao tout le monde.